Bye bye. Bye bye, Pauline. Aujourd'hui, écoute, je fais une vidéo spécialement pour Pauline Marois. Je voulais dire bye bye. Bye! Écoute, je suis content un peu que Pauline Marois a perdu. Moi, je suis un gars d'habitude qui vote pour le Parti québécois. Mais là, cette année, j'ai voté pour Amir Kadir. Parce qu'Amir Kadir, lui, il met pas des pancartes en plastique partout ses poteaux. Puis il fait pas de pollution visuelle. Puis j'aime bien ça, t'sais. Écoute, si ça aurait été un homme au pouvoir du Parti québécois, j'aurais voté pour le Parti québécois. Mais là, c'est une femme, t'sais. C'était Pauline. C'était Pauline Marois en plus. C'était comme. Pauline Marois, c'était comme notre grand-mère, tu sais. C'était notre tante, tu sais, qui nous donnait tout le temps des cadeaux, un petit 20$ à Noël. C'était rien d'autre, là. Pauline, c'était Pauline, tu sais. Moi, là, ok, j'ai une femme, ok, j'ai des enfants, j'ai une maison. Puis, moi, des fois, à la maison, ma femme, elle devient contrôlante. Elle veut tout contrôler. Puis là, quand elle peut pas tout contrôler, ben, elle me donne pas de cul, elle me donne pas de sexe. On fait pas l'amour. Fait que, dans le fond, je suis obligé un peu d'obéir à tout ce qu'elle dit. T'sais, faut que je fasse la vaisselle, faut que je m'occupe des enfants, faut que je change la couche, il faut que je fasse le ménage, puis il faut que je fasse plein des affaires la même après avoir travaillé. T'sais, je finis de travailler, faut que j'en fasse d'autres à la maison. Comme si je serais une femme, si je veux avoir du cul. Écoute. Je me fais déjà dominer dans ma propre maison par ma femme. J'aurais pas me faire gouverner par une femme qui s'appelle Pauline Marois en plus. Hey, on va faire m'emmener là, calice. T'sais? Moi, j'étais écœuré, j'en ai assez. J'ai déjà ma femme, Sty, qui veut tout posséder dans ma vie. J'aurais pas en plus voté pour une femme, Sty, au pouvoir du Parti québécois. Hey, voyons donc, toi, tabarnak. Non, ça va être un homme. Ça va être un homme qui fume la cigarette. Un homme avec une moustache. Ça va être un homme avec une queue de cheval. On veut quelqu'un qui pèse au moins 250 livres avec des muscles. On veut un troqueur, là, t'sais, un bûcheron. On veut quelqu'un de. T'sais, un vrai homme. T'sais, un brutal avec du poil sur le chest. T'sais, on veut un homme au Parti québécois qui est prêt à donner un coup de poing sur la table, qui est prêt à crier avec un peu d'écume ici sur le bord de la bouche. On veut pas Pauline Marois. Mais oh non, toi, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est une femme à la tête d'un parti politique, c'est déjà une faiblesse en partant. D'habitude, t'as le chien de prairie, puis t'as les moutons, ok, en bas. Tu sais, une pyramide. T'sais, en haut c'est haut, mais en bas c'est bas. Fait que dans le fond, en haut ça prend un homme. Puis là après ça, ça prend des femmes. Ça prend des femmes sexy, cute. Et des bonnes femmes à tout faire, là, t'sais, comme Pauline Marois. T'sais, tu mets pas Pauline Marois en haut. Hein? Elle marche pas, là. Pauline Marois, elle va se mettre en haut, puis elle va mettre des hommes partout en bas. Non, c'est l'homme. T'sais, c'est l'homme qui prend la place. Fait que moi. Bye bye Pauline, c'est ça que je voulais dire. Écoute, ça prend un homme, si vous pouvez arrêter de niaiser. Moi j'aurais mis, écoute, Johnny Crane, secteur Nord PD. Oh, ouais mon gars. Autant de patates.